Matt Pokora, Ramzi Bedia. Exactement. Ramzi. On dirait Matt Pokora en yeux, en fait. Matt Pokora qui a pris trop de drogue. Quand tu injectes du Ramzi dans une personne, elle a pris de la drogue. Ok. C'est terrible ce que je dis. Y a pas de problème. Okay. Y a du montage. Hein, et bah écoutez, on a perdu un prochain invité. On est mort. Ok. Et on cherche un film. Un film. Ça se trouve, il a une culture de fou malade, mais crois pas au fond. Mais sur un truc, les films suédois, avant 1960, là, ils... Mais j'en peux plus de cette phrase. Ouais, il l'aura pas. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Champ contre Champ. Cette semaine, encore des nouvelles équipes. À ma droite, dans l'équipe Champ, on a Adrien Méniel et Mehdi Maizi. Très content de vous avoir, les gars. Coucou. On est très heureux d'être là, vraiment. Et nous venons pour gagner. Des copains. Et à ma gauche, l'équipe contre-champ, composée de Oda et Dako. Bienvenue les gars. Salut l'équipe. Merci, ça a failli pas applaudir. T'as failli oublier. J'ai attendu que tu fasses. Ah, je suis le leader de l'équipe. Complètement. Bah, on est foutu. C'est magnifique. On est foutu. Très content de vous avoir les gars. Je réexplique le jeu. Champ contre-champ, c'est des questions sur le cinéma, les séries. Mais aussi, si vous avez des bonnes vannes, vous pouvez aussi faire des points si vous n'avez pas de culture. Ça c'est toi les vannes. Ok. Ne mets pas la pression. Pardon ? J'ai ni les vannes ni la culture. Il est venu pour Catherine, lui. Hein. On lance le générique. On va commencer avec le premier jeu. Le premier jeu, c'est Fusion. Est-ce que vous avez déjà regardé les premières émissions? Moi, j'ai regardé. T'as regardé? Oui. Ok, très bien. Après, t'as découvert Fusion. Le générique, donc t'avais peut-être... Non, c'est un nouveau générique, ça. Non, non, c'est le même générique. Ok, j'ai tenté. Moins un mille. Non, si, c'est... Pardon, l'honnêteté est pénalisée, en fait. Moi, je prends les moins mille. Je les mérite. Non. Le premier jeu, donc, c'est Fusion. Cette semaine, comme on a des gens qui font de la musique, c'est un spécial musique. On a mélangé des gens qui font grave du de la cinéma, musique, des séries et des chanteurs. Des bambous et... Ok. Mais tu fais de la musique. Ça va plutôt bien. Je fais de la musique en amateur. Il est beatmaker, il ose pas oui. Dire. Oui. Ah, mais pas sous mon vrai nom. C'est parti pour l'acteur. Donc là, c'est que des fusions de chanteurs. Ouais. Donc rien à voir avec le cinéma déjà, premier jeu. Non, des jeux. Okay. Non. Cool. On est venu faire un petit rap jeu. Le bac contre bac. Ouais, non, c'est vraiment des gens qui ont fait soit des films et des séries fusionnés à des chanteurs ou chanteuses. Ok. Ah, okay. Donc c'est un acteur okay, et un chanteur. Oh. Voilà. Et j'ai bien fait de creuser parce qu'on avait peut-être rien compris. Peut-être que l'acteur a pu chanter aussi. Oui, puisque t'as souvent les deux. Ouais, restons ouverts en fait. Restons ouverts. Voilà. Jamie Foxx par exemple. Ellie Semoun. Exact. J'aime cette rêve. C'est vrai. Bah oui, il a fait Cyprien et également un peu de Bossa Nova. Bien sûr. Vous êtes prêts pour le premier? C'est parti. Oui. On va voir le truc. Jean-Claude Van Damme. Ah oui, putain. J'avais pas Van Damme. Ok. Vous l'avez? Ah, Street Fighter. Efficace. Street Fighter, il est en Gaël. J'ai un point de plus là, j'ai le film. Je cherchais avec Gaël, là, justement. Il y a 1000 points pour la bonne réponse. Van Damme. D'ailleurs, il s'est mis en personnage principal, alors c'est pas du tout le perso principal normalement. C'est vrai, tout à fait. Juste parce que c'était, il ressemblait plus à... Bah ouais, mais c'était le plus connu, quoi. Je suis pas sûr que c'est lui qui a fait le scénario, du coup, mais... Ah, non, mais à l'époque, je pense qu'il avait un droit de, tu vois... Un droit de regard. Et ouais, surtout, pour Bison, t'as Gomez Adams. C'est vrai. Bison. Joué par Raoul Julia. Ouais. Qui est décédé en 91. Qui nous a quittés absolument. Voilà, c'est une série spécialement sur... On va vous laisser, hein, je pense ça, c'est... On donne un peu de... Voilà. Non, non, excusez-nous d'avoir de la culture. Ouais, on a un peu de biscuits, voilà. J'aime beaucoup. Vous avez capté le concept, ouais, du coup, ouais, c'est un ouais, comédien. C'est très bon, celui-là. Vous êtes prêts? Ça lui va bien, la brosse, Adam, ouais. Ah, le petit, ouais, tout ça, ouais. Un petit peu de brushing. Second. Daniel Craig David. Daniel Craig. Mais non, il est trop chaud. Mais oui, chaud, bravo. Putain, c'est bon. Il est pas mal, hein? Il est très bien. Ouais, j'ai toujours un sur... Ah, il est... Moi, je lui fais pas confiance. Bah, moi, j'avais Craig, mais... Enfin, l'acteur, mais pas David. Ouais, mais pareil. Avec David. Ok. Non, non, mais bravo. Il en reste 3, vous pouvez encore vous rattraper. Mmh. Le prochain est très cool. C'est parti. Ah, Stromae. Stromae. Oh, le bâtard. Vous savez quoi? Moi aussi, c'est bon. Ouais, okay. Il a dit ça. Stromae, il est charmé. Hein. Il est pas mal. T'as envie de voir son album un peu? Il bicrave, il est gentil. Par contre, personne n'a fait de cinéma, là. Ouais, là, ouais, là non. Okay. Là, non. Il a pas tourné dans des queues trucs. Il a fait une série pour le dernier projet, effectivement, qui est sur YouTube, mais il a pas fait de cinéma. Ouais, il a pas fait de cinéma. Ouais, mais c'est série ou ciné, le jeu. Hein. Ouais, merci beaucoup, Adrien. Voilà, peut-être 500 points en plus. Peut-être, on va mettre 100 points. On va mettre 100 points pour la bonne vibe. Vous êtes prêts pour le prochain? Oui. C'est parti. Oh, oui. Willy Denzel. Ouais. J'étais sur Billy Crawford, ils m'ont niqué. Non, c'est ah ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont le même zen un peu. Parce que là, t'as un Denzen.
100 points de plus. Je donne un point. Ah, donc même les vannes de merde, ça fait 2 points. Allez, là, c'est bon, là, c'est parti. Là, c'est parti. Willy Denzel Washington. Le dernier, les amis, c'est parti. C'est qui l'autre? C'est qui le deuxième? Attends. Matt Poco, Ramzy Bedia. Oui, exactement. Ah, c'est Ramzy, mais j'avais pas. Moi j'avais Ramzy, mais je savais pas si c'était Justin Bieber ou. Moi j'avais Matt Poco, mais j'ai pas Ramzy. Ok, incroyable. Ramzy tout le. Ouais, mais ça semble évident maintenant. On dirait Matt Poco en yeux en fait. Juste ça. Matt Poco qui a pris trop de drogue. Je fais un petit récap des scores. Bon, ouais, je... J'avoue moi, perso, je me désolidarise. Voilà, après, tu dis ce que tu veux. Non, mais je suis pas en train de dire que Ramzy a fait trop de drogue. Bah non, jamais, t'es ouf. Je suis en train de dire que la fusion des deux. Ouais, bien sûr. Prendre la drogue. Quand tu injectes du Ramzy dans une personne, elle a pris de la drogue. Okay. Personne devient cocaïnomane. C'est terrible ce que tu dis. Y'a pas de problème. Okay. Y'a du montage. Et bah écoutez, on a perdu un prochain invité. Alors, récap des scores, l'équipe Champ a 3200 points. Pas mal, les gars. Et l'équipe contre Champ a 2000 points. Ok, ça sera trop. Ouais, 200. 200 points. Il y a 200. Parce qu'il y a eu deux bonnes vannes à 100 points. Putain, fais des vannes. Ah, mais je joue, moi. Oui. D'accord, je pensais que j'avais pas le droit de jouer. D'accord, non, je pensais que je... Okay, bah, je vais commencer, vas-y, je vais commencer. Avant de passer à l'acte 2, en gros, on fait un jeu pour les spectateurs, les internautes. Oui. C'est un film qui est flouté, on leur fait deviner la réponse de la dernière émission. Dire, ouais, du coup. Ou là, vous pouvez répondre, là, pour le coup, c'est les résultats de la semaine dernière. C'est une fusion aussi. C'est un film qui est flouté. Ça, c'est une série. Stranger Things. Stranger Things, exactement, saison 3. Et donc, il y aura un gagnant. Voilà, ça paraît plus clair dès que c'est pas flou. Bah, oh, non, pour moi, non. Vraiment, ah ouais même comme ça, j'aurais dit, je sais pas. C'est vrai? J'ai pas vu la saison 3 de Stranger Things. Ah, ok. Le gagnant donc de la dernière émission a remporté soit un an de plateau fromage qu'il reçoit chez lui, soit un an d'abonnement à la plateforme qu'il souhaite. Voilà. Et il y aura ce jeu à la fin de l'émission. La plateforme qu'il souhaite, toutes les la plateformes. Plateforme, ouais. Ce qu'il est. Ouais. Parce qu'on a, comme on a zéro partenaire à part nos amis les produits laitiers, on est libre. C'est beau ça. C'est l'avantage. Salto, par exemple. Comment? Ça peut être Salto. Ça peut être Salto, exactement. On passe à l'acte 2. L'acte 2, c'est le fast casting. Je vous demandais de me donner soit un film, soit une série avec deux éléments. Ah, d'accord. Faut que vous ayez les deux pour buzzer. Je veux la réponse aussi. J'ai compris. Ok? Genre, citez-moi deux films qui, ou citez-moi deux séries qui. Ah, c'est deux films à chaque fois. Le premier, pour que ce soit facile, citez-moi deux films ou séries avec un X dans le titre. American History X et X-Files. Très bien. X-Files. Voilà. Triple X également. Voilà, voilà. Là, il y a 3 X direct. Voilà. Ok? C'est bon, je l'ai. Tu vas pouvoir jouer, hein. Non, non, je suis assez à l'aise, hein, tranquille pour l'instant. Fais des vannes, X, film X. Ah, ouais. Oui, là, il y avait une vanne à faire, là, tu vois. Ouais, on va l'éviter, celle-là. Ok. Prochaine question, citez-moi deux films ou deux séries avec un duo féminin. Les flingues. C'est nous, Louise. Attends, mais je peux pas. Non, c'est eux qu'on parle. Ah bon, vas-y. C'est bon, alors, c'est Thelma et Louise et Bound. Bien joué. Oui, Bound. Bien joué. Film. 1000 points. J'adore ça. Effectivement, je pointais mon doigt. Je donne la parole. Je croyais que c'était des buzzers. Qui ne permettaient pas à l'autre de s'allumer. Ok. Ouais. Et non, on n'a pas encore ce budget. Personne n'a le budget. Personne ne l'a sur Internet. On a tous les mêmes buzzers. Rap jeu, c'est la même merde. On est prêt. Le prochain, citez-moi deux films ou deux séries avec le mot sexe dans le titre. C'est là. Sex Intention. Sex Friends. Ça allait vite. Il a eu son premier point. Franchement, sur le cul, comme par hasard. J'aurais préféré sexe, mensonge et vidéo, une palme d'or, mais bon, je sais pas. Une quoi? Un truc de plongée. Là, j'ai pas vu les films aquatiques. Il reste deux questions. Citez-moi deux films ou séries basés sur une histoire vraie. Malcolm X et J'ai Edgar. T'as dit quoi? J'ai Edgar. J'ai Edgar Hoover. Ouais. Ok. Ah, c'était Gilet de Garde, le film. J'ai entendu autre chose. Oui, mais voilà, un gilet de garde. Un gilet de garde, moi. Qu'est-ce que c'est que ça, un gilet de garde? C'est un contrôleur. J'ai mon gilet de garde, en fait. Je suis contrôleur. Avec Gérard Junior, merde. C'est un classique. Dans les années 80, c'est un classique. C'est la suite de Pinot Simple Flic. Quand avec la scène dans le métro, là. Oui. Avec Christophe Lambert en second rôle. Quand il dit, vous n'avez pas votre ticket. Passez. C'est un grand moment. J'aime beaucoup cette vanne, je rajoute 100 points. Oh là là. On mise tout là-dessus. Je suis son préféré. Non, mais vous ton préféré, Akiva. C'est vrai, on se connaît depuis longtemps. Prochaine et dernière question. Citez-moi deux films ou séries basés sur des histoires fausses. Ah putain, mais c'est juste deux films. Mars Attacks. Ouais. Bah sûr. Et c'est une histoire Batman, vraie, Mars Attacks. Mars Attacks, c'était vrai. Ouais. Selon où tu te places dans le niveau de complotisme, Mars Attacks, ça passe. C'est juste que t'es pas au courant. Ça fait un récap des scores. Oh, c'est proche. Et heureusement que j'ai fait des vannes. Donc on a l'équipe Champ. Ils ont encore une vanne. Bah, il fait des vannes. Des vannes.
J'ai une sex friend tout à l'heure. L'équipe chant. C'était une bonne réponse. Ah merde. L'équipe chant à 5300 points. L'équipe contre chant à 5000 points. Ça se joue à 300 points. Comme quoi les vannes, c'est vraiment important. Ah ouais, putain. Le prochain jeu, on a voulu le faire nous-mêmes et on s'est rendu compte que ça existait. Du coup, on va mettre en avant des gens qui l'ont fait. Ils s'appellent Norbert et Fanny Kovac. C'est l'acte 3. Norbert et Fanny Kovac, en fait, ils refont des films en suédois. Ils font des images connues de films. Et donc, on va vous montrer une image refaite par leurs soins et vous devez retrouver. Ils ont fait le titre aussi. Ouais. C'est eux qui l'ont le suédois, ça. Hein. C'est vraiment très bon marché. Vous êtes prêts pour le premier? Yes. Je me décale. Ils peuvent répéter la règle quand même. Le but, c'est de reconnaître le film. Ouais. Et c'est une image du film fait avec les moyens du bord. Okay. Ah, d'accord. Voilà, okay, ça y est, bon. Okay. Il y a un ouache qui fait ça. Fait, avec ses bananes et tout. Il fait genre de chez lui, il refait des visuels. Low cosplay, ils appellent le gars. Mais oui, low cosplay, c'est ça. On peut avoir un point d'amusement. De référence. On vous rajoute 10 points si vous voulez. Allez, yes. C'est parti. Commando. Commando. Oui, tout à fait, le commando, bien joué. J'aurais dit Alien 2, rien à voir. Ce qui ressemble au mec de Alien 2. Ouais, bien joué, bien joué. Okay. Ouais, bien joué. T'as compris le concept? Ah, la télé, j'aime bien. Donc là, c'est les photos de ces gens-là que t'as mis, en fait. Ouais. Oui. Magnifique. On les met en avant. Vous volez leur travail. J'attendais, je me suis dit, Adrien va le dire, c'est obligé. Sans leur consentement. C'est parti, deuxième image. Oui. Alien. Non. Iron Man. Ah non. Non, ah merde. Non, Iron Man. Ah mais oui, bien sûr. Tu sais que j'ai vu il y a pas longtemps le making of et en fait, il est comme ça. Ouais, ouais. Et ça, tout ça, c'est un faux torse. Son torse, c'est pas ça, c'est un faux torse. Wow. J'ai pas un point de storytelling. Non, franchement, c'était facile. Moi, je suis allé sur Alien comme un con direct, mais pas du tout. Mais pourquoi Alien? Tu sais, la scène de l'Alien qui sort du ventre, tu vois, mais c'est vraiment pas ça, en fait. Ouais, personne qui va le chercher, normalement. Oui, absolument. Vous êtes prêts pour le prochain? C'est parti. Ah bah c'est bon. Oui. Et oui. Titanic. Bah Titanic. Oui. Ah bien sûr. Et ça c'est bien fait. Hein. Ouais. C'est bien. C'est mis du shampoing dans les cheveux. Et vraiment quand on a vu ça, on s'est dit ah flemme de faire ces photos. C'est parti pour le prochain. Ah, ouais. Putain. Non c'est bon. Le parrain. Le parrain. Bien sûr. Mais c'est marrant que ce soit elle qui fasse le parrain. C'est inclusif et gender fluide. Exactement. J'aurais pas utilisé ces termes. J'aurais dit, bah ouais, elle a le droit. C'était pas tellement plus pertinent, moi, avec des termes compliqués. Hein. C'est parti. Je sais pas. C'est nous ? Kaza, tu sais pas non plus ? Vas-y, j'ai pas vu, je regardais Pierre pas. Pierre Feuille Ciseaux. Pierre Feuille Ciseaux. Et ben... Moi, je dirais... Ah putain, j'hésite entre deux. Oh bah, en plus, c'est quoi ? Ah pardon, bah j'ai... Alors, Pulp Fiction ? Non. Men in Black. Men in Black. Tu sais quoi ? Magnifique, parce que j'aurais répondu Pulp Fiction. C'est vrai ? Ah ouais ? En fait, du coup, tu m'as éliminé cette réponse. Ouais, c'est les deux autres mecs. Mais du coup, s'il avait dit Pulp Fiction, t'aurais trouvé Men in Black ? Bah j'aurais dit Men in Black par élimination, en fait, c'était les deux. Ah ok, donc t'hésitais entre les deux. Deux films avec des mecs en costume noir. Exactement, que deux. Exactement. Ok, vous êtes prêts pour le prochain ? Il va aller très vite. Bah voilà. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Ah, il a buzzé avant qu'il y ait l'image. Juste. Il en reste deux. Très bon jeu. Vous êtes prêts? C'est parti. Indiana Jones. Exactement. Oui, Indiana Jones. Et l'arche perdue. Et l'arche perdue. Ouais, merci, parce que je... Ah, tu voulais le dire... Ouais. C'est mal, parce que moi, le chapeau... Il n'y a pas du tout le chapeau de Indiana Jones, c'est pour ça que j'étais... Ouais, ouais, moi non plus, pour moi, c'était Charlie Chaplin, en fait. Bien, ouais. Alors que c'est vraiment un paquet de gâteaux dans le film, quoi, donc... Ouais. Non, c'est la sacoche qui te... En vrai, l'indication, c'est la sacoche. Le dernier à trouver toujours pour 1000 points, vous êtes prêts? C'est parti. Ah, putain. Ghost. Ghost. Oui, Ghost. Bien joué. Ghost, avec Charlie Chaplin. Un petit récap des scores. Donc l'équipe chant a 10 300 points et l'équipe contre-chant a 8 010 points. Parce que tu as négocié. On dirait un Nokia, notre score. C'est 90. Voilà, c'est une bonne vanne. C'est une bonne vanne. On rajoute 100 points. Allez, merci beaucoup. On passe à l'acte 4. L'acte 4, c'est le moi d'abord. Ça devient un jeu qui est plutôt récurrent dans notre émission. Il y en a un de vous qui va venir à côté de moi et il va essayer de faire deviner des films à son coéquipier. Ok. Dernier film qu'il a vu, c'était Beethoven. Toi, tu joues le 4, seul, le 4, le 4, le 4. Il a vu les 4. J'ai vu les 4, par contre. L'objectif, c'est que ce soit une sorte de... Enfin, c'est une enchère. C'est, en gros, je donne la parole à celui qui me dit « Je fais deviner ce film avec le moins de mots possible. » Okay. Et dans les mots, évidemment, t'as pas le droit de donner des acteurs. Pas d'acteurs, pas de personnages, pas de réal. Qui va faire deviner de votre côté? Comme tu veux. Bah, je suis le plus prêt, écoute. L'argument. En vrai, comme tu veux. Tu te sens plus à l'aise dans quel... Je me sens à l'aise dans toutes les situations tant que je suis avec toi.
c'est incroyable, magnifique. Ça. Bon, écoute, vas-y. T'as envie d'y aller. Non, c'est quoi, au pire, vous pourrez inverser. L'esprit, okay. L'esprit le plus malin, c'est clairement lui, donc vous pourrez. C'est mieux que... Non, bah, écoute, arrête. Et de votre côté? Ouais, ça va être moi. Moi, je suis à l'aise dans... Attends, celui qui doit deviner. Celui qui doit deviner les films. Moi, c'est moi qui dois lui dire et c'est lui qui devine. Ouais. Ouais, mais lui, il saura pas quoi me dire. Oui, donc... Ah oui, mais... Ah, mais de toute façon, tu... Je pense que tu peux faire question-réponse, là. Ok, vous aurez la possibilité. Sinon, je me fais deviner à moi. Ok. Sinon, ou à quelqu'un d'autre qui passe, là. Viens, s'il te plaît. Le premier, c'est une série. C'est toi qui commences l'enchère. En un. En un seul mot. Ok, donc il commence. Et s'il si ne trouve pas en un, oui. Après tu peux rajouter un mot. Vous jouez pour 2000 points. Et, tu commenceras sur celle d'après. Tu vois. Ok, super. Ok. Donc un mot. Ouais. Coréenne. Squid Game. Squid Game, 1000 points. Tu l'aurais eu ou pas ? Ça ou pas ? Oui. On va y aller, on va la chercher cette victoire. Ok, l'écarté. Deuxième, c'est un film. Wow. En combien de mots tu le fais deviner ? C'est chaud, mec. Un mec qui n'a rien vu depuis de Beethoven 4. Hein. Non, mais je suis même pas si sûr qu'il connaît ce film. On va en 15. Pas moins de 10. Non, en 3. En 3. En 2. En 2. Ok, t'as deux mots pour lui donner. Ok. Horreur, caméscope. Projet Blair Witch. Non. T'as le droit de rajouter un mot, vous jouez pour 2000 points. Direct. Une chaîne YouTube. On cherche. Non, non, un film. On cherche un film. Direct. Cherche une BD. Je crois que j'ai. En direct, c'est ça. Ah, j'ai pas le droit à plusieurs mots. J'ai capté. J'ai le droit de tenter, moi, s'il a... Non. Non, c'est Scream. Non. Non. Tu peux rajouter un mot. Vous jouez pour 3000 points. Rec. Ouf. 3000 points. Tu l'avais pas, d'accord, tu l'avais pas, Rec. T'aurais pu dire Espagne. Ouais, ça fait espagnol. Mais j'étais... J'avoue, tu dis horreur espagnole, je pense que... En fait, j'étais sur Blair Witch, mais bon. Ouais, non, mais j'ai bien vu. Prochain. Dit. Prochain mot. Je me sens bien de me vivre. C'est un film. Je vais... Allez. Ah, non. Allez, en deux. En combien tu le fais dîner? Bah non. Mais tente-le quand même, de toute façon, sinon ils vont l'avoir. Ah deux, oui. Donc Alors attends, j'essaie d'avoir un... Non, mais s'il le trouve pas, il joue pour 2000 points après. Ouais. Il rajoute qu'un mot, mais il joue pour 2000 points. Bon, laisse béton. Vas-y. Alors... Souvenir. Ah oui, c'est ça que j'aurais dit. Mm-hmm. Rebours. Ah oui, t'as pas le droit de dire les acteurs aussi, c'est vrai. Ah, donc... Ah, attends. Je suis pas du tout sûr de moi. Personne ne l'est dans ce monde. Attends, non, je veux dire... 4. Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Non. Ok. Tu rajoutes un mot, tu joues pour 2000 points. Amnésie. Et on cherche... Un film. Un joueur de foot. Stéphane Guivard. Un instrument. Répète-moi le... Amnésie. Repense à ces mots. Ouais, donc... T'as le droit de lui redire. Souvenir, rebours, amnésie. Ouais. Tente un bail, toi. Je tente un bail. Souvenir, rebours, amnésie. Dis le masque, fais un truc comme ça. The Mask 2. Qui l'a vu, c'est le fils du masque. Qui l'a vu, pas, il s'appelle pas The Mask 2, il s'appelle le fils du masque. Ah, ok. Il est très bon. On rajoute 1000 points, tu peux rajouter un mot. Je m'en rappelle plus trop de ce film. Je l'ai vu, normalement. Ah, tu l'as vu, ouais. Ah, même si tu l'as pas vu, en vrai, avec le pitch, tu l'as, tout le monde. J'ai envie de dire un truc, mais j'ai peur que ça embrouille. Bon, je le dis. De toute façon. Tatouage. Ouais, j'aurais dit ça. Ah! Christopher Nolan. Oui. Guy Ritchie. Memento. Memento, ouais, très bien joué. Pas Memento, bien sûr. Bien joué. T'es ma c'est un mec qui perd la mémoire et il a tatoué des trucs sur lui au fur et à mesure du film. J'étais sur Battement d'aile du papillon, premier contact. Ah, mais très très bien. T'as... Ah oui, c'est vrai. Vraiment, t'as dit les mots que j'aurais dit. J'aurais dit exactement la même chose. Ah! C'est à toi de donner l'enchère. En un. Ouais, bien sûr. C'est sûr. Skin. Ah oui, je l'ai celui-là. American History. Oui. Yes. Et tu vois, tout le monde est content. Bah oui. Ouais, vraiment. Du coup, ça devient une victoire de fou. J'ai envie que tu prennes 4000 points d'un coup. Double point pour les... Ah ouais, franchement, oui. Vous voulez lui donner 1000 points. Mais il mérite. On double les points. On l'encourage. Pour les enfants, laissez-les de côté. Nouveau film. Les enfants pauvres. Je savais pas que t'étais venu avec Doc Gynéco. En deux. Bah je l'attends en un, vas-y. Mais tu ne l'auras pas. Il l'aura pas. Non, il l'aura, mais en plus de mots. Mais je l'attends. Il a une culture de fou malade, mais crois pas en fond. Mais gars. Sur un truc, mes films suédois avant 1960 là. Et... Attends. Ah mais non, si je dis ça, mais personne l'aurait. Bah ouais. Je sais quel premier mot te vient à l'esprit. Ouais. Mets-le loin, sinon comme ça, eux, ça les aide pas. Ils en ont. Pas d'acteur, sinon acteur. Mets-le loin. Ah, j'en mets loin. Mets-le loin, le premier mot. Rien à voir avec le film. Mayonnaise. Rien à voir comme ça. Tu tentes stratège. Bah oui. T'as plus que ça de toute façon. Après, sur le troisième, on gagne. D'accord. Stratégie de football. Football. Bah, tu prends les vindicts d'Adrien pour... Football. Ah, là, ouais, d'accord. Ouais. T'entends, il est capable de trouver. C'est éclaté comme stratégie. Il y a quand même un truc. Hooligan. Okay. Non, c'est pas ça. Okay. Alors, t'as le droit à un mot. Mais t'as pas précisé si c'était un film ou une série. C'est un foot son mot. Voilà. Déjà, on a ça comme... Film. Okay.
Son indice est intéressant ou pas du tout? Bien sûr que non. Oublie ça. Même un taux, c'est terminé. Vampire. Ok. Ah, c'est le mot que tu voulais dire aussi. Ah oui. Bah, alors il y a. Ah, il n'y a pas eu beaucoup d'effets. Évident. Twilight. Non. Parce que. Du coup, leur stratégie Écoute est peut-être maligne. Noir. Vampire noir. Et c'est un film. Oui. Pas une série. Un film. C'est un film, mec. La stratégie est pas. Vampire noir. Frère. Le seul vampire noir connu, frère. Chut. T'as pas le droit de dire ouais, ça. Ouais, attention. Là. Non, t'as pas le droit de dire ça. Je veux bien donner des points et tout, mais. 4. 3. Ça dure pas, ça dure. Dracula. Mais non, mais frère. Tu dis quoi? Dracula. Bah, cela dit, il y a Blacula qui existe. Oui. C'est vrai? Tout à fait. Ouais, mais il a pas dit Blacula. Dracula, ça marche? Oh, tu peux avoir un point? Ah, Dracula. Allez, 100 points. Mais par contre. Tu l'as? Non, je crois. Alors, pour de vrai? Donne-moi un mot quand même. Tu rajoutes un mot, vous jouez. Attends. Je reconce. Allez, 1000, on peut 2000, gagner sur une 3000, 4000. Vous jouez pour 4000 points. Vampire noir. Oui. Chasseur. Et pourquoi ça me semble pas. Ah, wow, mais je pensais que c'était. Ah ouais. Mais je crois que j'ai pas vu ça. Non, c'est sûr. Ah la vache. C'est sûr. Si bah t'as eu une enfance. Pas, peut-être pas, hein. Tu vas l'avoir. Si t'as eu une adolescence. Candyman. Pas du non. tout. Non. Sabre. Les gars, wesh. Mais pourquoi on est nuls sur, tu vois? Parce que ça vous semble si. Ah ouais, ah ouais, moi je l'aurais eu déjà. Et surtout, bah, je sais même plus quoi dire maintenant. J'ai une poster dans ma chambre. Sabre. Un film, hein. On est d'accord. Ah, mais mon dieu. Ah. Ouais. Il l'a pas, un décompte. Attends. Il l'a pas vu. Allez, tout 5. Ça existe, ça. 5. Mais j'étais comme toi, il y a 4, 3 secondes. 3, 2, 1. Waouh, c'est un Blade. Pardon. Merci pardon. Vu la Blade, Wesley Snipes. En fait, j'étais pas du tout sur. Mec, il y en a eu 3, c'est années 90, film culte. Non, parce que moi, j'imaginais un vampire. Genre, c'est un vampire. Oui, c'est bien sûr. C'est juste dans ton imaginaire, ils sont blancs parce que t'es raciste. Mec, Blade, tu l'as pas vu. Pourquoi c'est un chasseur de vampires, voilà. Oui, mais c'est un vampire chasseur de vampires, c'est ça. Il chasse les vampires. Et c'est lui-même. Mais tu t'es pas. Juste l'affiche, tu l'as jamais vu. Mais moi, les frères, pour vous dire, j'ai eu un sabre en fait. Pour vous dire à quel point j'avais. Je pense, pour moi, c'est pas un vampire. Non, parce que l'affiche, il était de dos comme ça avec son sabre. Donc c'est sabre. Et il avait la high top et tout. En fait, à la base, c'est pas un vampire. C'est un chasseur de vampires. Bah, c'est un vampire. Et il finit vampire. Ouais, ouais c'est ça. Mais c'est un film de vampire. En tout cas, on a pris 5000 points là. Oula, c'est. 6000. Oh, c'est là. Super. Ah ouais, en fait, on l'a fait monter de ouf celle-là. La s'enchère était incroyable. C'est un jeu où plus t'as d'indices, plus tu marques de points. Ça n'a aucun sens, mais moi je prends les 6000. Plus t'es nul, plus t'as des points. Ouais, mais le risque de pas les prendre augmente. Ouais, c'est vrai. Dernier film. Lui, il est chaud, lui. Refait. C'est toi en premier. Celui-là, il est. J'en peux plus de cette phrase. Il l'aura pas. Non, mais même. Moi, je l'ai même pas en vrai. Mais est-ce que t'as la télé par exemple? À quoi? Il est dur, celui-là. C'est un film. Je l'ai même pas vu, je sais à peine de quoi ça moi, parle. Moi, je l'ai vu, mais. Attends, est-ce que je peux dire? Mais tu peux ah, dire. Ah, mais non, mais c'est parce que dans mon mot, il y a. Bah, non, s'il y a des mots. Non. Ouais. Mais ah, non, ça s'écrit pas de la même façon. Oh là, je sens le truc, ouais. C'est... Non, c'est ça que tu vas dire. Ok, bah, je l'attends comme ça. Mais ouais. En un. Il n'aura pas. Mm-hmm. Il n'aura pas. Il n'aura pas, qu'est-ce que tu veux? T'as avec les épaules. Il n'aura pas. Je connais. Huit clos. Ah, en deux mots. Okay. À toi. Il y a un tiret. Attends, laisse-le ne pas répondre. Non, mais Hakim, il aura pas. Moi, j'aime bien parce que huit clos, il y en a quand même quelques-uns. Ouais, mais c'est pour faire un ping-pong. Ah, ouais. En fait, il joue avec toi. Moi, je joue avec vous, moi, les gars. Mais je sais même. Je suis pas sûr. Non, mais voilà. Visuellement, tu vois ce que c'est. Mais peut-être pas, quoi. Je vais dire western. Je suis peut-être. Est-ce que j'aurais dit ce que. Bon, bah alors je suis nul. Alors, merci d'avoir validé. Sur un film de Tarantino. Pas du tout. Me cherche pas de. Je suis impartial. Bah, pour moi, c'est les 8 salopards. Ah, c'est les 8 salopards. Bien joué, 2000 points. Très bien. Tu l'as Tarantino. Ah oui, pour 8, tu disais. 8 clos, c'est pas 8. Il a fait les 8 salopards. Ah, mais c'est pas bête d'avoir 8, 8 clos. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est un 8 clos, c'est un 8 clos. C'est un 8 clos. C'était le dernier sur cette manche, les gars. Vous pouvez regagner vos pupitres. Merci beaucoup. On va faire un petit récap des scores qui va être. Oh oui, fais-moi ce récap, Hakim, fais-le. L'équipe champ est à 24 300 points. L'équipe contre champ est à 10 210 points. Franchement, ça se joue à. Il y a pas une manche à 15 000 points, un truc comme ça? Sûrement. Si vous avez du panache, les gars. Les amis, un truc sur Beethoven 4. Le dernier jeu. J'ai besoin d'une victoire dans ma vie, moi, donc je suis pas sûr de. C'est quoi? Le dernier jeu, histoire de rajouter du piment. Normalement, le dernier jeu, on peut gagner 10 000 points. Mais c'est bon. Ça le fait pas. Donc, les amis, pour le prochain jeu, on va gagner 20 000 points. Ah! On va doubler les scores. Remontada, c'est maintenant. C'est parti pour l'acte 5.
L'acte 5, c'est la mémoire dans la peau. Ah, je vais vous montrer une vidéo qui dure une minute. Chaque équipe va jouer chacun son. Ah oui, j'ai vu, ça fait dur en plus. Ah, je déteste les jeux de mémoire, putain. C'est trop bien, mais c'est trop dur. Donc, il y a une minute, il y a 9 films à trouver. Et là où je facilite les choses, c'est quand c'est des sagas. Vous me dites pas le numéro, le film de la saga. Vous me dites la saga, c'est validé. Au fur et à mesure, ou faut les dire. Non, non, tu dis rien. Tu dis rien pendant une minute. De merde. Je t'ai quoi, je te l'ai dit. Non, t'as pas raison, je crois. Tu les retiens. Il y en a 9, donc du coup, 2000 points. Par bonne réponse. C'est, genre, c'est des extraits c'est à des la suite. Extraits pendant une minute. Il y a des films qui vont revenir, ouais, etc. C'est, voilà. Ah, donc ça revient. Ouais. Donc, t'as d'accord, j'ai capté. 9 films. Si vous trouvez les 9, vous avez les 2000 points bonus pour faire les 20 000. C'est à la fin de la minute que vous me donnez les films au fur et à mesure. Mmh. Et vous pouvez en donner un nouveau tant que c'est des bonnes réponses. Si chacun votre tour. S'il y en a un de faux, c'est fini. Ah oui, ok. On va commencer par l'équipe chant. Les amis, on va faire une petite ambiance. On n'a pas la même vidéo. Non, vous n'avez pas la même vidéo. On va commencer par vous. Une petite ambiance tamisée. Allez, la pression. Le mont tamisé. Buff ta flex, pression. Yes. Bon morceau. Allez, 10 points. J'adore. C'est parti. Oh, la petite musique là. Moi j'en ai pas eu 9. Ah, j'en ai pas 9 du tout. J'en ai 6. J'en ai pas 9, 6, mais ouais. Bon, c'est truqué. Putain, ils ont mis que 4 films. Ça, c'est Magouille et compagnie. Ouais, on les connaît. On connaît, c'est encore le contribuable qui racle, enfin bref. Alors, 2000 points par bonne réponse. Ouais, c'est 117. Ouais, c'est 117. Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Ouais. Le Père Noël est une ordre. Non, c'est ça. Oui, c'est le Père Noël est une ordre. Très bien. Vous pouvez vous consulter avant. Oui, parce que je voulais pas. Le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Ouais. Freddy. Ouais. Freddy, il y a une autre comédie. Attends, on en a cité combien là ? 5 ? 5 là. Au tout début. La tombe en balance à faire là ? Oui, bien sûr. 6. Et après, j'ai vu un truc avec Matt Damon, je crois. Genre. Ça doit être. Et il y a un truc avec Russell Crowe aussi, non ? Je sais pas. Mais peut-être Matt Damon, on peut tenter un. Mais avec des cheveux longs, tu vois, un truc d'époque. Mais si, on en a un, non ? Enfin, des fois. C'est pas le film où genre il joue un Asiat et genre c'était archi appropriation culturelle. Tu vois ce film que je n'ai pas vu ? J'ai pas vu non plus. Est-ce que t'as en tête un film avec Russell Crowe, genre en mode. Pas gladiateur, mais un autre ? Bah, je sais pas alors. Si, avec Conquer dans le titre. Ma femme s'appelle Maurice. Non, ça c'est. Chevalier et l'Aspalais, c'est excellent. Mais ça n'a rien à voir. Conquer dans le film ? Ouais, je crois. Command and Conquer. Attends, on ne sait pas encore notre réponse. Hein. J'attends votre réponse. Ouais. On a rien de plus que les 6 dessus, on est d'accord. Ouais, moi j'ai rien d'autre, j'avoue. Ah non ! Où il joue ? Je suis pas sûr non plus. Où il jouait, tu sais, l'Arche de Noé là. Il y avait un film comme ça avec Russell Crowe. C'est pas ça. Ah, il a un regard espiègle. Non, non, je ne dis rien. Il est espiègle. Mais je me souviens plus du titre, en vrai, de ça. L'Arche. C'est pas un truc où il joue Moïse. Non. 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 Mais il jouait Noé, je crois. Noé. Et c'est pas genre Noé ? Non, c'est pas ça. Je sais plus du tout. Je l'ai vu au cinéma, c'était pas ouf. Bah, de toute façon, on a rien. On en a. Bon, Command and Conquer en 7ème. Et non. Non. Et t'avais la bonne réponse, c'était Noé. Noé ? C'est ça le titre ? C'était Noé. Ah, c'est Noé, il est mûr en plus. Et il y avait pas le mur aussi ? La Grande Muraille. Ah, la Grande Muraille avec Matt Damon, c'est ça. Il était stylé ce film. J'ai pas vu celui-là. Où les mecs, ils sont à l'époque de la Grande Muraille de Chine. On avait 8 en vrai si on avait les titres. Et le dernier, c'était La Liste de Schindler. Ah putain, j'ai pas vu. La petite fille en rouge, la seule. Il y a pas eu beaucoup d'extraits de les... Non, il y en a eu qu'un. En fait, je fais un. Il y en a qui viennent. Je fais exprès. Il y en a qui viennent 4 fois, il y en a qui viennent 3 fois, il y en a qui viennent 2 fois. Et La Liste de Schindler. Je te jure que j'ai pensé à La Liste de Schindler, mais je fais. Tu vois, genre, j'ai pas vu La Petite Fille en fait. Tu te fais pas confiance, c'est ça. Ton un paumé à cause de ça. C'est ça ton problème. Donc vous en avez trouvé 6. Ça fait 12 000 points. C'est pas mal. C'est franchement en vrai, pas ça mal. Nous donne une bonne avance. Quoi. Faut que vous soyez très fort pour nous battre là. Grave. Mais attends, je crois si on fait 6, ça fait quoi ? On se tape ? C'est-à-dire que s'ils font c'est plus 2000, de 12 000... C'est 2000 par bonne réponse. Ah d'accord ! Vous oui, jouez okay, pour d'accord. 20 000, il y en a 9 et si vous avez les 9, là, si on 2000 fait 6, on fait comme eux, 12 000. Et voilà. Ouais. Exactement. Bah là, c'est foutu de toute façon. Oh, on est bien. Là, on est bien. Ils peuvent revenir ou pas ? Non, mais même si vous marquez. Ouais, parce que si on fait. Non, par contre, on peut vous mettre la même vidéo si vous voulez. Je suis sûr. Il y a moyen qu'on se tourne les épaules tous. Pur et simple. Vous vous rappelez bien ? Tu te rappelleras bien ?
C'est l'arche, ça s'appelle. Ça s'appelle l'arche. Noé, je sais pas là. Le grand mur. Ouais, c'est bon. Ok, vous êtes prêts? Une minute de vidéo, petite ambiance, les amis. Moi, à chaque fois, je vais dire, faut facile ça. Non, hé, nous déconcentrez pas, putain, déjà, on est pas chaud. C'est parti. Thierry Lhermitte, hein, qui revient beaucoup, ouais, finalement. C'est un salopard, parce qu'il a vraiment fait mais des vannes déconcentrés tout le long. Ils nous ont déconcentrés. Tout le long. Si on perd, c'est à cause de ça. Brice de Nice. Ouais. Star Wars. Ouais. Dîner de con. Ouais. Il y avait des visiteurs. Les visiteurs. Intouchables. Intouchables. Ouais. Narnia. Attends. Tente-les pas tout de suite. Ouais, je te les donne, à toi. C'est toi le responsable. Le monde de Narnia. Ouais. 6000. J'avais dit en blague, c'était vraiment ça. Star Wars, on l'a dit. Star Wars, je l'avais dit. Truc de Persia, je sais pas quoi là. Ouais, je suis pas certain, je suis pas certain de ça. Les visiteurs, on l'a dit. C'est perdu, ils ont dit. Shining. Bien joué. 7. Il y a un très grand Hitchcock aussi. Il est sympa. À toute fin. Parce qu'il se sent pas en danger. Ouais, mais je sais pas quel c'est. Parce que j'ai envie que tu. Il en reste deux là. Il en reste deux à trouver. Les oiseaux, la mancole. Non. Genre, bon, bref. Avec des animaux. Il en reste deux. Il reste Hitchcock et il reste le. Il en reste le truc avec les. J'hésite entre le retour de la momie ou Prince of Persia. Tout ça n'est pas fait par Hitchcock. Les Tuches 3, c'est pas lui. De toute façon, t'as pas les Hitchcock. Bah, on peut en tenter un, mais je sais pas c'est lequel. Bah, en termes de proba, vous pouvez tenter celui où t'es sûr à 50%. Ça, c'est malin. Donc, voilà. Soit Persia. Moi, j'ai pris une soif Persia, je crois que c'est un jeu de vidéo, ça. Ouais, mais ils l'ont adapté. Ouais. Ah, d'accord. Avec Jack Gyllenhaal. Ouais, mais après, non, c'est... Non, mais non, je suis con. C'était des trucs égyptiens, donc je pense que c'est le retour de la momie, en tout cas. Retour de la momie. C'est validé. Joli. Ça, c'est beau, ça. Il vous en reste un. Mec, Tantin Hitchcock. Vous perdez avec panache, putain, c'est beau. Tantin, un classique Hitchcock. Là, c'est au début, ils disent, c'est trop dur. Ils vont peut-être faire le grand chelem. Ça a déjà été fait ou pas? Non. Oh. Putain, attends. Pense douche. Allez, voilà, j'en ai trop. Ah, ok. Le roi Merlin. Celui où il tue. En fait, c'était sa daronne depuis le début et tout. Et c'est qui? Enfin, c'est lui qui joue sa daronne. Oh, qui, le spoiler, les gars. Oh. Je veux le film pitché par. Tu vois. Il joue sa daronne, le gars. C'est génial. Ah, professeur Folding. Où tu l'as vu en plus. Pédale douce. Putain, ils ont. Pédale douce, c'est ça. Pédale Amber Wilson. Pédale dure, le 2. Ah putain, je l'ai pas là, tout de suite. J'ai mais non, c'est dommage. Ouais. Arrête de vous êtes les premiers à faire le grand chelem, les gars. Si tu trouves ça, c'est la remontada. Au stagiaire que t'es là. La dernière bonne réponse. T'attends quand même pas parce que c'est moi qui l'ai. Je crois que je viens de l'avoir là. Putain, Bates Motel, c'est le préquel. Ah, c'est fou. D'avoir tout. J'ai tout sauf le titre. C'est incroyable. Vous avez tout sauf le titre. J'ai un trou de mémoire. C'est. Putain, j'ai un trou de fils de pute. Vince Vaughn, tu passes au courant. Non, je savais pas. Voilà. La fameuse scène de la douche. Oui, oui, bah, ça s'appelle pas comme ça, je pense. Non, ça s'appelle pas la fameuse scène de la douche. On parle de Psychose, le film. Allez, 5 secondes, les insultés là. Le film Psychose, on parle de. Psychose. On nous donne la moitié. On vous donne beaucoup quand même. On vous donne. Il s'appelle Psycho en plus en anglais. Ouais, tout à fait. On vous donne. Ah, Psycho. On vous donne. J'avais tout, j'avais un putain trou de mémoire. On vous donne les 2000 points et on vous donne les 2000 points parce que vous l'avez aidé. Ah, du sympa, coup, non. Bien joué. Ça fait un total, les amis, pour cette manche. Il y a un suspense qui est incroyable. C'est incroyable. J'ai la boule au ventre. Imagine, il gagne, on sait pas, une ouais, on a machination. On a mal compris. Ouais. On a l'équipe champ qui a 38 310 points et on a l'équipe contre-champ à 30 210 points. C'est quand même un beau score. Vu que t'as joué tout seul, ça fait 60, non? T'es à 60 400, il vous a éclaté là. C'est vrai que ça nous a battu de fou. Oh, j'avoue, éclaté. J'avoue, t'as joué avec un handicap de malade. Que à base de. Non, mais il trouvera pas, laisse-toi. Il trouvera pas.
Les amis, avant de vous laisser, je vous montre le dernier jeu pour les spectateurs, comme on a montré tout là, à l'heure. Il ne faut pas dire, là. Voilà, cette fois, il ne faut pas dire. Pas la dire. Je vais le dire, tu biperas. Il est possible qu'on... Le film est flouté. Direct. Vous mettez dans les commentaires si vous l'avez retrouvé. Et en plus du film, j'aimerais bien que vous mettiez si Oda avait un handicap avec lui dans cette émission. Non. Pas du tout. Et si vous lui accordiez les 20 000 points. C'est pas sympa, je vais dire le film à haute voix. C'est parti. Voici le jeu. Ah oui. Ah oui. Bien sûr, bien sûr. Donc le film à deviner cette semaine, vous le mettez dans les commentaires. Vous gagnez un an d'abonnement à des plateaux fromage si vous le désirez, ou un an d'abonnement à la plateforme de streaming. Je viens de comprendre, le lait. Putain, les produits laitiers, bordel. Je viens de comprendre qu'à chaque fois, il y a des produits laitiers. À chaque fois, c'est en rapport avec des produits laitiers. Il n'y avait pas ça dans Stranger Things. Il avait une glace. Stranger Things. Exactement. Oh là là, mais... Là, là, c'est du bel internet, là. Ça s'interpole vraiment bien. Ça s'interpole. Ça, ouais, je tente des trucs. Ça FBI. Ça CIA de ouf. Avant de vous laisser, donc, est-ce que vous avez un film ou une série à recommander aux gens qui nous regardent? Moi, récemment, c'est pas nouveau, mais j'ai revu Three Billboards, un excellent film, vraiment un très bon film. Je l'ai revu, j'avais oublié à quel point il était bien, donc j'ai kiffé. Donc, le film préféré de Kaza, notre associé. Mais, c'est vrai? Ouais. Il en a rien à foutre, il écoute pas de sa vie. Il a rien à foutre. Je l'ai vu, il était comme ça. Moi, en ce moment, c'est pour le coup très récent. Il y a une série sur Netflix qui s'appelle Anatomy of a Scandal, qui est sortie. J'ai déjà vu. Ouais, c'est très très cool. C'est ancienne. Mini-série, 6 épisodes, 48 minutes. C'est bien ça. On adore ça. Ouais, je vais regarder. Et vraiment, c'est cool sur, un premier ministre anglais qui est accusé de viol et de. Ah. Tu vois, et de. Non, mais c'est super intéressant comment ça se passe. Parce qu'en France, on n'a jamais eu de premier ministre insulté. Mais ça balance, ça abuse. Ministre de l'Intérieur, tu veux dire. Aïe. Non, mais ça, ça compte pas si c'est pour un appart. Allez, donc. Les amis, est-ce que vous avez un film ou une série? Je vais quand même pas vous faire l'offense de vous dire, alors, je vous conseille de regarder ce truc-là, tu vois, c'est... Tu peux dire... Vu la partie... T'as le droit de dire une musique. T'as le droit de dire un son. Ou de suivre un joueur de foot sur Instagram. Ouais, ouais, non. L'Instagram de manière fa. Paul Pogba, les highlights de ses actions sont assez chauds, non? Non, Paul Pogba, allez-y. Mais regardez la série Bates Motel, ce serait bien. Ouais, c'est cool. Ouais. Hein. J'avais bien écouté. Ok. Dernière information, pour ceux qui regardent l'émission à chaque fois, j'oublie de le dire, abonnez-vous, activez la cloche. J'oublie tellement que je suis sur YouTube. Faites ça parce que ça vous permet de voir les prochaines émissions. La téloche, exactement. On en parle de ciné tout de suite, j'oublie. Il a pris un boulard, le gars. Les amis, est-ce que vous avez de la promo, quelque chose que vous voulez mettre en avant, ou est-ce qu'on peut vous suivre? Je t'en prie, mon ami. Moi, il y a Derby Girl saison 2, dans les séries dans laquelle je joue, qui est sur. On peut citer des plateformes. Ouais, bien sûr. Donc sur France TV/. Ouais. Et Visitors, la nouvelle série de Simon Astier, qui sort le 10 mai. Qui sera disponible sur MyCanal. Ah, c'est une série, je pensais que c'était un film. Non, c'est une série, et j'ai un petit rôle dedans aussi, donc voilà, si vous m'avez trouvé chamé, bah, vous pouvez en avoir plus sur ces deux plateformes. Quel teasing, j'adore. moi, non, rien de... Bah, si, il y a Rapjeu, déjà. J'ai fini Rapjeu. T'arrêtes, fini, arrêté. Je me suis dit, peut-être sur une nouvelle Rapjeu, Adrien Hauteur, c'est vrai, ouais. Maintenant, Adrien Hauteur dans Rapjeu. Non, moi, j'ai des interviews, pardon, Le Code, sur Apple Music et YouTube. C'est pas de la merde, tu dis, j'ai rien. J'ai pas dit que c'était de la merde, mais je suis pas heureux. Voilà, je me pose tu des crois questions. Que je suis heureux, moi, putain. Qui est heureux ici, putain? Non, Le Code à fond, évidemment. D'autres formats qui vont arriver aussi autour de ça. Un podcast qui s'appelle le Mousecast, qui est sur YouTube aussi, où je parle d'autre chose que de rap, comme de cinéma. D'ailleurs, aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir d'en parler avec vous. Il adore. Et puis, des soirées aussi que j'organise, les Mouse Parties. Il a voilà. des soirées chez moi aussi. Des apéros avec des potes. Des safaris avec des potes. Voilà. Franchement, je fais plein de trucs. Je vends une 205. Ouais. J'aime bien aussi faire mes courses. Genre ça, j'ai un petit plaisir. Voilà, je voulais dire. Mais c'est tout, voilà. Ok, les gars, vous avez pas mal de projets qui vont arriver. Au ciné, déjà, juste moi, après. Moi, je suis consultant Mousecast aussi, sur que les émissions ciné, par contre. que celle-là. C'est pour ça que ça marche pas, d'ailleurs. Non, moi, stand-up. Encore pas mal de projets sur le duo et en solo sur le stand-up et la joie et la bonne humeur pour rire et vivre. Bah, t'as l'air d'avoir envie de rire. J'ai oublié cette émission. Merci encore à vous d'être venus. T'as pas venu toi. Ouais, non, moi j'ai des EP qui sont sortis. Mais il disait non tout de suite. Ça rappe. J'ai une date le 17 juin à la Bellevilloise. Allez. Voilà. On fêtait le troisième EP, voilà. Tranquille. Bah, c'est joli. Félicitations. On se met en route. Et bah, la Bellevilloise, si vous voulez le retrouver pour sa culture ciné. C'est ça. C'est un forum sur le cinéma. C'est une masterclass, une table ronde. Merci à vous, les copains, d'être venus. On se retrouve très bientôt. Ciao.